Pour une fois, les problèmes semblent pires en banlieue que dans les grandes villes. Et on ne parle pas de n'importe quel problème. Celui des moisissures qu'on retrouve dans des logements négligés par leurs propriétaires. Non pas qu'on retrouve davantage de cas en banlieue, mais les administrations municipales semblent s'en laver les mains. Parfois, des locataires intoxiqués doivent attendre des années avant qu'on les débarrasse de ce poison. Imaginez-vous, ce dossier avait été fermé! Enquête au pays des champignons. Il y avait des plaques poilues noires, puis t'avais des méga champignons là, qui commençaient à pousser là, dans le bas. Je t'inquiète en réalité, c'est parce que c'est pour la sécurité de mes enfants là-dedans. Moi, je vis dans de la moisissure présentement. Jamais en 100 ans que j'ai eu un logement qui avait ça, jamais. Il y en avait de l'eau sur le plancher, il y en avait dans les coins. C'est vraiment un véritable champignon qu'on pourrait décoller du mur et couper en tranches. Absolument, là, c'est gros comme ça, là. Le champignon, sous toutes ses formes, a empoisonné la vie de ces deux femmes. Elles ont vécu dans des logements de banlieue remplis de moisissures et elles ont dû se battre pour le faire reconnaître. C'est pas un problème esthétique, c'est un problème important de santé publique qui peut causer des problèmes de santé graves sur la santé des gens. J'ai un beau château, ma tante y relit, relit. La banlieue, paradis du petit propriétaire. Un cliché tenace qui cache les 25 à 35 % de ménages locataires des plus vieilles banlieues de Montréal. Le parc immobilier s'y détériore. En fait, dans la première couronne de Montréal, environ 70 % des immeubles locatifs ont plus de 30 ans. Parmi les problèmes les plus communs, celui des moisissures, un fléau largement ignoré par les villes de banlieue. Ce qu'on ne voit pas, c'est la volonté politique de défendre les droits, la santé, la sécurité des locataires, particulièrement les plus pauvres. Vous voyez, là, c'est plein de fissures. Ça soigne tout le long du tuyau. C'est bu par la laine minérale. Et comme vous pouvez le voir, elle moisit. C'est dans cette rue tranquille de Laval que Lynn Lafortune occupe depuis 6 ans l'appartement du premier. Il y avait un faux plancher, là. Puis de là à là, là, il y avait toujours de l'eau noire. Les gens habitaient là-dedans, dans l'eau, dans la moisissure. Dès son arrivée, elle constate que la plomberie fuit et que l'eau s'infiltre dans l'appartement du sous-sol. Plus tard, là est venu les dégâts d'eau. Plein d'étrons, des... Oui, oui, je ne vous donnerai pas les détails de ce qu'on a pu voir flotter là-dedans, mais je vous en assure, madame, c'était rien pour égaler. Ils ont laissé ça des mois de temps, sans même nettoyer, sans même jeter un peu d'eau. Ça, c'était sur mon ventilateur. Ça, ça commençait à pousser sur mes murs. Les moisissures du sous-sol grimpent jusque chez madame Lafortune et sa santé commence à en souffrir. Là, je commençais à être à court de souffle. Je devenais de plus en plus fatiguée. Je me suis mis à tousser. Et puis là, les nausées, évidemment, les maux de tête atroces. Je nettoyais avec de l'eau de javel peu. Je rinçais ça à l'eau chaude, chaude, chaude. Quand c'était bien sèche, je peinturais par-dessus. Mais ça revenait avec le temps. Je vais aller mettre mon pied dedans pour vous le montrer. Et voilà. Vidéo, photo, prélèvement, Madame Lafortune documente les progrès de la contamination. Ça donne ça au bout de 2 ans. Après 18 mois de démarches auprès de ses propriétaires, elle s'adresse finalement à la ville de Laval. Qu'est-ce que vous attendiez de la ville de Laval? Ce que mon propriétaire évitait de faire, c'est-à-dire le nettoyage. Quand j'appelais la ville, on me disait « oui, oui, on va y aller ».
L'inspecteur de la ville de Laval finit par se présenter. Il examine le sous-sol et repart. Puis, plus de nouvelles. Là, j'ai fait une demande à la ville pour faire venir le rapport. Mais on me le refusait. On me l'a refusé pendant 18 mois. J'ai attendu, puis en fin de compte, j'ai réussi à obtenir la copie du rapport. Et qu'est-ce que ça disait? Ben, imaginez-vous, le dossier avait été fermé! Madame Lafortune s'obstine, et l'inspecteur de Laval revient, 2 ans plus tard. Il recommande quelques travaux et ferme à nouveau le dossier. Mais le sous-sol n'est pas décontaminé. Le moisi continue de proliférer et la santé de Mme Lafortune de se détériorer. Dans les semaines qui précédaient sur le plan respiratoire, comment ça allait? C'était horrible. Les personnes qui vivent dans des logements très contaminés depuis longtemps ont en général des problèmes importants, sévères, persistants. Ils peuvent avoir la difficulté à respirer. C'est un médecin de l'Institut thoracique de l'Université McGill qui va finalement confirmer la source des maux de Mme Lafortune. C'est des conditions très graves d'insalubrité dans lesquelles elle a vécu. Alors, il est clair que si le sous-sol, par exemple, est inondé régulièrement et qu'il y a une grande quantité de débris, il y a tout ce qu'il faut pour faire croître une flore microbienne très importante. Il fallait qu'elle sorte de là. Et il fallait donc qu'elle sorte de là. La sortir de là s'avère plus compliquée que prévu, car son logement est subventionné. En attendant, il faut prouver l'étendue de la contamination. La ville de Laval n'a pas d'experts en moisissure. Leur direction de santé publique non plus. Le docteur Jacques persiste et propose un expert de la santé publique de Montréal pour tester l'air de l'appartement. Il était clair qu'il y avait persistance d'une contamination importante. Il était clair que c'était cela qui causait les problèmes de santé de la patiente. Et il était clair que cela constituait un risque non seulement pour elle, mais pour d'autres potentiellement dans le bâtiment. Clair pour lui peut-être, mais pas nécessairement pour les autorités lavalloises, comme nous le constaterons plus tard. Normalement, c'était pas ce genre d'intervention-là. Normalement, c'est vraiment vous qui devez amener un inspecteur privé. Je trouve ça plate parce qu'un inspecteur privé, ça me coûte beaucoup de sous. Comme Lynn Lafortune, Nathalie Lemay veut convaincre Laval de venir traquer les moisissures chez elle. Elle paie 1350 $ par mois pour louer une maison qu'elle juge malsaine et dangereuse. Alors, c'est-tu dans la salle de bain que le problème a commencé? Oui. J'ai pris mon bain. Ma fille est montée en haut à la course pour me dire que l'eau coulait au niveau de la cuisine. Je me disais quelle sorte d'autres surprises que je vais avoir avec la maison à ce moment-là. D'autres surprises, elle en aura. Le toit de la maison et celui du garage coulent. La plomberie aussi. Et les problèmes de santé de ses enfants se multiplient.